On October 17th, the brave Americans who came here to free our hostages... It's an ambush! ...became hostages. Now... The President of the United States. The President has nowhere to turn except to the one man... Get me Topper Harley. ...who has the courage and the guts to get the job done. 20th Century Fox presents... Hot Shots, Part 2. Last time... There he is! He did it out of patriotism. This time, it's gonna be personal. Of all the missions, you had to come walking into this one. It's a sequel. I had to come. Charlie Sheen as Topper Harley. He's a man torn between the woman who wants him. I'm putty in your hands. In my hands, nothing turns to putty. And the woman who left him. Do you have any idea what would happen if you stay here with me? Sex. I would pleasure you at any time, in any place, for as long as you could possibly desire. Lloyd Bridges as the President of the United States. I remember reading that. Valeria Golino as Ramada. Kiss me like you've never kissed me before. Richard Crenna as Colonel Walters. Now that's a hell of a gun. And Saddam Hussein as you've never seen him before. Hot Shots. Part 2. Directed by Jim Abrams. Keeps going and going and going. Yes! War. It's fantastic. Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy Do 78. On se retrouve aujourd'hui pour Hot Shots 2. Alors, je vous l'avais promis mercredi. Franchement, j'ai pas eu vraiment de courage pour faire des vidéos cette semaine. Je vous le cache pas, hein, je vous le dis honnêtement. Mais là, on se retrouve vraiment pour Hot Shots 2, donc une comédie donc, de Jim Abrams. Sorti donc aux États-Unis en 1993. Ça dure 86 minutes, donc voilà. C'est tout simplement l'histoire donc de Topper Harley, toujours bien évidemment, qui suite à des mésaventures entre guillemets avec Ramada, s'installe du coup en Thaïlande, mais l'armée vient le chercher pour justement pour sauver le monde, encore une fois. Voilà. Donc, c'est bourré de comédie, bien évidemment. Nous avons, c'est parti, pour les acteurs. Pardon. Nous avons donc Charlie Sheen dans le rôle de Topper Harley. Lloyd Bridges, qui n'est plus commandant, mais devient président. Donc, Président Thomas Benson. Donc, toujours Valeria Giulino dans le rôle de Ramada. Nous avons Richard Crenna dans le rôle du colonel Denton Walters. Brenda Beck dans le rôle de Michelle Hudleston. Nous avons Miguel Ferrer, donc le commandant Arvid Harbinger. David Wall dans le rôle de Giroux. Vous le connaissez tous, dans le rôle de Mr. Bean. C'est Rowan Atkinson qui lui joue le rôle de Dexter Heman. Ou Heman, je ne sais pas comment on prononce. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est sorti en 93. Alors, c'est toujours un peu film parodique, bien évidemment. Alors, il y a pas mal de commentaires à faire sur ce film. Même si on se fend la gueule, hein, comme pour le premier. Alors, le slogan américain du film était « Just do it ». Une référence forcément à Just Do It de Nike. Et je ne place pas de produit. Donc, bien évidemment, le film, comme je vous l'ai dit, parodie plusieurs films américains. Nous avons La Belle et le Clochard. Nous avons Casablanca. Rambo 2.
Rambo 3, Terminator 2, Portée disparue, Kickboxer, Star Wars, Basic Instinct, Apocalypse Now, Predator, Sens Unique, Robin des Bois, Platoon, Commando, Les Canons de Navarone, Le Parrain et Le Magicien d'Oz. Donc vous voyez le nombre de films qui parodient. Pardon. Ensuite, donc les scénaristes font également des clins d'œil à la réalité, puisque lorsque le président Benson vomit sur son homologue japonais, il s'agit d'une référence à George H. W. Bush, qui avait vomi sur le premier ministre Kishi Miyazawa. Et en plus, le film rappelle Jim Carter et l'échec de l'opération Eagle Claw, qui visait donc à faire libérer tous les otages retenus à Téhéran. Téhéran, c'est en Iran, bien évidemment. Ensuite, lorsque le président Benson fait son bain de foule du début, il enlève un bébé des bras d'une femme, qui ne sont autres que la femme et le fils de Jim Abrams, le réalisateur. On en est au cinquième point. Au début du film, lorsque Saddam est dans son lit, son pyjama ressemble au maillot des New York Yankees. Le logo, donc les initiales S et H, présentes sur son pyjama, fait référence à celui de l'équipe de baseball, les initiales N et Y. Sixième point. Dans le film, le personnage de Saddam Hussein regarde The Arsenio Hall Show. On peut également voir que Saddam possède une boîte à gâteaux en métal sur laquelle on retrouve un homme ressemblant étrangement à Yasser Arafat. Septième point. Donc, dans la scène parodiant La Belle et le Clochard, on peut apercevoir trois personnes mangeant à une table. Parodiant la scène de Le Parrain où Michael Corleone déjeune avec Virgil Solozzo et McCluskey. Huitième point. Le personnage qui torture le colonel Walters dans une scène qui ressemble à Rambo 2, la mission donc, porte un bonnet Holiday Inn. Neuvième point. Jerry Aleva, qui interprète ici donc Saddam Hussein, a tellement marqué les esprits de par sa ressemblance avec l'original qu'il rejouera ce personnage en 1998 dans The Big Lebowski des frères Cohen et dans le téléfilm en direct de Bagdad en 2002. Dixième point. Richard Crenna joue quasiment le même rôle que celui qu'il tenait dans Rambo, Rambo 2 et Rambo 3. Onzième point. Ryan Stiles, qui jouait le soldat expert en explosifs Rabinowitz, retrouvera quelques années plus tard Charlie Sheen en apparaissant dans la sitcom Mon Oncle Charlie. Donc il avait également tenu un petit rôle dans Hot Shots. Douzième point. Dans la scène de l'avion, on peut entendre les membres de l'équipe de Topper crier Geronimo juste avant de sauter. Comme les paras US en 1944. Puis plus loin dans la même scène, un indien saute de l'avion en s'écriant « Moi !» C'est un clin d'œil au vrai Geronimo. Treizième point. Martin Sheen, donc le père de Charlie Sheen, apparaît brièvement dans la scène du bateau. Tout est fait pour appeler son personnage d'Apocalypse Now. De plus, lorsqu'il croise le bateau de Topper, ils se disent « Tu étais épatant dans Wall Street. » Donc « I loved you in Wall Street. » Il s'agit d'une référence au film d'Oliver Stone dans lequel ils jouent tous les deux. Là, je crois que je suis au 14e point. Le bateau des militaires irakiens s'appelle The Ben Gazzara en référence à l'acteur Ben Gazzara. 14e point. Il y a un clin d'œil à la marque Duracell lorsque, dans une scène, un lapin automate fait son entrée et qu'il déclare « et ça dure, tout ça grâce à la pile ». Il s'agit d'une référence aux campagnes de publicité de la marque. Et enfin, le dernier point. Un compteur de morts dans le film affirme qu'il détient le record du film le plus sanglant. Plus que Robocop, environ 134 morts, et plus que Total Recall, environ 190. Donc c'est bien évidemment la suite de Hot Shots. Donc on va le noter maintenant, bien évidemment. Hein. Alors, je le trouve franchement un peu meilleur que le premier. Même si le premier franchement est vraiment pas mal. On va lui mettre un petit 17 sur 20. Donc il y a vraiment la comédie et tout. Même s'il y a des choses un peu répétitives. Alors quand je dis répétitives, c'est des choses qu'on voit souvent dans les films comiques. Voilà. Mais sinon, voilà, un bon 17 sur 20. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve. Alors,
On va essayer mercredi, hein, si j'ai le courage, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.